deux siècles à la Révolution, on a tourné le dos à la religion très majoritairement dans notre pays, à une époque où c'était sans doute nécessaire dans la mesure où les religieux avaient une emprise quelque peu abusive sur la société et même sur chacun d'entre nous. Et peut-être qu'on a un peu jeté le bébé avec l'eau du bain, à savoir qu'aujourd'hui, majoritairement, les gens ont adopté une vision matérialiste de la vie, et dénuée de spiritualité. Et c'est peut-être un peu dommage, quelque part, parce que la vision purement matérialiste de la vie, au sens philosophique du terme, est somme toute assez triste, puisque finalement, selon cette vision, nous ne serions que matière, donc amas d'atomes, de molécules, et donc à partir de l'âge de 20 ans, on serait sur le déclin, puisqu'on commence à perdre des neurones, d'accord, la peau s'abîme, les cheveux deviennent blancs, etc. Et puis au final, c'est quand même tragique, et il n'y a plus rien après. D'accord, donc selon cette vision, quand même, la vie est assez pathétique, quoi. Ce qui induit d'ailleurs un certain nombre, à mon avis, de choses pas du tout anodines, comme l'individualisme qui rend un peu tout le monde malheureux en ce moment, une société basée sur la consommation, pour ne pas dire le tout économique. Tout ça sont pour moi des conséquences de la vision de la vie matérialiste. Et je pense que la spiritualité, qu'elle soit d'ailleurs laïque ou non, laïque ou religieuse, quoi, la spiritualité est quelque chose qui est intéressant et qui nourrit chacun. Et je pense qu'aujourd'hui, chacun gagne à entreprendre une démarche spirituelle. C'était à rechercher ce qu'il y a au-delà de la matière, d'accord. Et voilà, j'avais envie par ce roman d'inviter chacun à cette démarche. C'est un livre sur l'ego parce que pour moi, en fait, c'est ma vision de la spiritualité et enfin de l'évolution spirituelle, et que c'est en se libérant de l'ego qui nous tire vers le bas à un niveau vraiment très psychologique qu'on peut avancer vers le spirituel. Et d'ailleurs, je pense que c'est souhaitable d'ailleurs de commencer par travailler sur soi à un niveau psychologique pour se libérer grosso modo de la plupart de ses problèmes, de nos difficultés dans la vie, avant d'entreprendre une démarche spirituelle, parce que sinon on peut utiliser la démarche spirituelle soit pour nourrir l'ego, soit pour faire fi de ses problèmes, pour les enterrer, vous voyez, se mettre un peu la tête dans le sable, j'ai des problèmes, je vais pas bien, j'ai des relations compliquées avec tout le monde, je souffre, mais c'est pas grave parce qu'il y a par exemple Dieu et moi, et donc voilà, je me focalise sur autre chose, et donc j'oublie de travailler sur moi. Alors ce qui est certain, c'est que de toute manière, qu'on croit ou non en une existence au-delà du monde matériel, ce qui est certain, c'est qu'on est là incarné dans ce corps aujourd'hui, dans cette vie, donc on a une vie incarnée, donc notre mission est au moins de bien vivre cette vie incarnée, et je pense que ça passe en effet par un travail psychologique. En abordant ce roman sur ce thème-là, évidemment, j'étais tout à fait conscient du fait que ça pouvait cliver ou susciter des réactions, et en même temps, je refuse de me laisser gouverner par mes peurs, parce que c'est une démarche qui justement est à l'opposé de ce que je recherche dans la vie, à savoir de passer de la peur à l'amour, si vous voulez, d'accord, et donc d'évoluer, quoi. Et donc j'ai ça à l'esprit, évidemment, et en même temps, je pense que c'est pas parce que un sujet peut amener des réactions qu'il ne faut pas l'aborder. Vous voyez, moi, je ne suis pas... J'aimerais pas du tout rester dans le politiquement correct pour être sûr de déranger personne. Je trouve que c'est intéressant aussi, quand on lit un livre, y compris un roman, d'être à un moment donné interpellé dans sa façon de voir les choses, dans ses convictions, et ce, dans un sens ou dans l'autre. Vous voyez, il se passe des choses, quoi. J'aime bien qu'il se passe des choses.